se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. On continue notre grand album Cabinet de Curiosité. Aujourd'hui, on est arrivé donc à la page 6. Voilà, on arrive bientôt à la fin. Hein. Il nous restera deux pages à faire. Et ensuite, le montage et la déco. Donc, bon, on commence toujours pareil. Hein. La page de fond. Donc, ben, vous avez toutes les mesures donc, au début de la vidéo. On commence toujours par la page de fond. D'habitude, on fait une marge, on va dire, de chaque côté d'un centimètre et demi. Mais cette fois, on va faire une marge de 2 cm, donc de chaque côté, en partant du bord, bien sûr. Ceci pour plus d'équilibre, parce que vous verrez que cette page va être assez chargée quand même au niveau. Il y a des petites cachettes et tout, voilà. Voilà, je cherche mes mots. Donc là, je trace donc au crayon, sur ma feuille de fond, un cadre qui fera donc qui fait 2 cm de moins de chaque côté. Ensuite, je vais donc tracer les premiers éléments qui vont faire cette page. Donc, comme d'habitude, je fais sur le papier noir, hein, le pollen, Kerfontaine, donc du 210 g. Vous utilisez la couleur que vous avez choisie, hein, dès le début, bien sûr, comme d'habitude. Donc là, c'est pareil, hein, pour tous les éléments de cette page, donc je ne vais pas vous les redire dans la vidéo, mais tous les éléments, toutes les mesures, toutes les cotes sont mises avec les plans au début de la vidéo. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous voulez garder près de vous donc les dimensions, faites des copies d'écran des plans que j'ai fait. Comme ça, vous pourrez vous les imprimer et les avoir près de vous pour faire cet album. Voilà, ce sera peut-être beaucoup plus simple. Allez, je vous laisse regarder un petit peu et je reviens tout de suite. Donc là, je coupe ce qu'il y a en trop hein, sur ma feuille, bien sûr, après avoir mesuré. Et là, on va faire un pli à 2 cm, puisque cette première feuille va être fixée, comme d'habitude, avec une fente dans le papier de fond et collée sur l'arrière. Voilà. Donc, vous faites votre marge de pli à 1,5 cm ou 2 cm, ça n'a pas grande importance. Voilà, je crois que j'ai fait à 2 cm, mais 1,5 aurait suffi aussi également. Donc vous marquez bien le pli hein, avec le trait que vous venez de faire. Donc, ce que j'ai oublié de vous dire, vous faites bien sur le pli du côté de la grande largeur. Hein. Donc, ce qui se retrouvera donc en bas, la grande largeur sera en bas de la feuille de fond. Donc là, ce sera en mode paysage, comme on appelle ça. Là, sur cette page, sur ce premier fond, je vais remettre des petites portes. Voilà. Donc, une qui va se soulever par le haut, une qui va se soulever par le bas. Que ce ne soit pas dans le même sens toutes les deux. Et elles seront fixées également par un système de fente et de plis que l'on aura fait. Vous allez voir après. Donc, on fait bien tout ça avant de mettre les papiers décor, hein, bien sûr, puisque tout sera caché après avec les papiers décor. Donc là, pareil,
faites plutôt votre pli à 1,5 cm, voilà, pour pas avoir trop d'épaisseur, et puis là comme c'est une petite page, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup plus pour faire le pli. Bon, vous allez voir que par la suite je vais recouper un peu parce que je m'étais planté un petit peu dans mes côtes, en mesurant moi-même, pas dans les côtes que je vous ai données au début. Hein. Là je suis obligée de changer ma lame, ça coupe plus. À force de couper du papier, du carton, la lame commence à se faire. J'en suis à ma troisième lame hein, pour cet album. Et j'ai attaqué également mon 9e rouleau de double face. Donc, on m'avait posé la question cette semaine, donc sur Facebook. Je crois que c'est sur Facebook, ouais. Au niveau papier, est-ce que j'étais toujours sur les papiers que j'avais donnés au début. Sachez que donc moi, j'ai dû racheter un paquet de 6 feuilles de 30-30. Donc, et j'ai racheté un bloc 15-20. Et j'ai racheté également... Donc un paquet de 25 feuilles de papier noir, donc le pollen. Donc ce que j'avais prévu au début n'a pas été suffisant. Mais là, normalement, là maintenant, c'est bon, j'arriverai bien à la fin avec ce qui me reste. Donc n'ayez crainte, il n'y aura pas besoin de reprendre plus de papier. Donc là, je l'avais pas fait sur les autres pages. Bon, c'était pas. Je sais pas pourquoi je l'ai fait là. Bon, j'ai coupé un petit peu en biais les plis. Mais bon, c'est vrai que je l'avais pas fait sur les autres pages. Donc, vous le faites ou vous le faites pas. Bon, ça change pas grand chose. Donc là, je fais ma fente. Hein. Voilà, ça coupe beaucoup mieux avec une lame neuve. Et donc là. La première porte, donc ce sera la plus grande, celle-là, hein, va être fixée comme vous voyez, donc en bas. Bon, là je la colle pas tout de suite, hein, je la mets en place pour voir si ça va. Donc est fixée en mode paysage par le bas. C'est cette page qui va tout cacher ce que je vais faire après. Donc, vous voyez là, comme je vous disais, j'ai pas coupé assez, donc bon, ben c'est rien, hein, je vais recouper. Moi, tant que c'est pas collé, il n'y a aucun problème, on peut toujours corriger. Donc, je crois que j'avais fait 1,5 cm en trop. Donc, je vais arranger tout ça, donc même un peu sur le côté, parce que je voulais qu'il y ait quand même un écart entre les deux petites portes qui seront sur le dessus. Donc, je recoupe 1 cm sur chacune. Mais pareil, n'ayez crainte, toutes les cotes que je vous ai données au début de la vidéo sont les bonnes. Hein. Voilà, donc si vous les suivez bien, vous n'aurez pas besoin de recouper vos papiers. Voilà. Quand je tape sur la table avec mes doigts, c'est que je réfléchis. Je suis en train de réfléchir si j'ai pas fait une connerie. Là, bon, pareil, celle-là je vais la recouper puisque je m'étais basée sur la même dimension hein, pour la deuxième porte. Donc, je recoupe. Donc voilà, je revérifie. Bien que je me suis plus trompée, donc maintenant je recoupe bien la deuxième. Voilà. Maintenant elles vont être aux bonnes dimensions, je vais pouvoir les fixer. Même moi, hein, je fais des bêtises hein, des fois. On n'est pas à l'abri. Hein. Donc on marque bien au crayon gris l'emplacement. Hein. Pour pouvoir par la suite tirer nos traits au crayon pour faire les fentes. Alors il y aura donc sur cette grande porte, on ne va pas se tromper, il y aura donc moi la première, celle qui est sur la gauche, la fente est en haut, celle qui est sur la droite, la fente est en bas. Thank you.
Donc là, je prépare, donc comme vous voyez, les fentes pour faire y fixer donc les petites portes qui viendront sur le dessus. Alors là, j'ai fait une erreur, oui et non, puisque je l'ai rattrapé après. Là, donc sur la grande porte, je vais mettre mon papier de fond, de décoration, alors que vous avez vu que j'ai fait mes fentes avant. Voilà, c'était pas. Il aurait fallu que je colle mon papier déco d'abord et tracer mes fentes après. Voilà. Mais bon, ça va. Après, je reprends sur l'arrière et je repasse un petit coup de scalpel et voilà, ni vu ni connu. Mais donc, vous faites bien dans ce sens-là. Pour ne pas avoir de difficulté, collez votre papier déco et faites vos fentes donc après. Après, une fois qu'il sera fixé. Donc toujours avec le double face, hein, comme d'habitude. Voilà, n'oubliez pas de gommer vos traits hein, avant de coller votre papier déco. Comme ça, vous n'aurez pas de problème et puis risquez d'abîmer votre papier du dessus. Donc gommez bien toujours vos traits. Puis ce sera plus joli de toute façon que de voir les traits de crayon. Donc voilà, vous avez vu, j'ai refait mes fentes, hein, donc il n'y a pas eu de problème. Hein, j'y vais doucement avec mon scalpel et puis bon, voilà, mes fentes sont refaites. Donc là maintenant, je vais fixer mes petites portes. Voilà, donc on regarde toujours avant de coller, vérifiez bien que tout est bien d'équerre, hein, qu'il n'y a pas d'écart, parce que les deux portes doivent être à la même hauteur, hein, toutes les deux. Donc quand vous voyez que c'est un peu trop juste, vous redonnez un tout petit coup de scalpel, hein, 1 mm, ça suffit, ça passe après. Bon, moi j'ai eu un petit peu de mal, je vous l'avoue. Donc j'ai fait 1 mm de chaque côté. Je ne sais pas copine avec mes mesures cette fois-là, je ne sais pas pourquoi.
principal, c'est que ça rentre. Voilà, là, c'est bon. Donc on marque bien ses plis aussi hein, avant de coller. Voilà, on vérifie sur l'arrière que tout est bien, que ça ne fait pas de gondole, que ça ne fait pas de... Alors, si vous avez... Bon, là, je ne l'ai pas fait, mais vous avez pu voir que j'ai fait sur d'autres pages. Si ça, vous avez peur que ça bouge le temps que vous retournez votre feuille pour coller les languettes, mettez du washing tape sur le dessus. Ça va tenir vos feuilles en place et ça ne va pas s'accrocher au papier. Vous pourrez le retirer très, très facilement sans laisser aucune trace. Voilà. Si vous avez vraiment peur que ça bouge, vous faites comme ça. Donc moi je mets toujours mon double face, hein. Fidèle à mon double face, la fois dernière j'ai essayé la colle mais en fin de compte, non. D'ailleurs là je commence à bientôt tomber en panne, j'espère que je vais en avoir assez parce que je ne peux pas aller en chercher pour l'instant. Tant pis, hein, si j'en ai plus, ben, j'utiliserai la colle. Mais je vais en garder, je vais essayer d'en garder pour finir, tout au moins les... fixer les pages sur les fonds noirs. Donc là maintenant on va mettre les aimants. Donc je marque toujours avec mon... Je cherche le nom de ce feutre. Le Posca blanc. Mais bon, vous faites avec ce que vous avez hein, sous la main. Donc je mets toujours un double face avant. Je vais fixer mon aimant dessus. Voilà, un petit coup de double face au-dessus. Comme ça, ça tient bien, ça bouge pas. Et pareil pour l'autre porte. Donc là, par contre, le deuxième aimant hein, sera mis de l'autre côté de la grande feuille noire. Voilà. Sur l'envers. Donc pour trouver l'emplacement, pas difficile, hein, vous laissez tomber votre deuxième aimant sur le premier et vous n'avez plus qu'à faire une marque pour savoir où fixer votre aimant. Voilà, donc là maintenant on a nos deux petites portes qui sont fixées. Et là, vous n'avez pas vu, je sais pas, j'ai mal coupé ma vidéo, mais bon, enfin, c'est le papier déco qui va venir sur les deux petites portes. Donc vous mesurez pour laisser 5 mm de chaque côté pour que ce soit plus joli, que l'on voit le fond noir. Mais comme d'habitude, hein, maintenant vous avez l'habitude sur mes vidéos. Donc pareil, hein, double face, double face, double face. Alors là, je fais d'abord l'intérieur, voilà, mais je ne savais plus. Je fais d'abord le papier déco à l'intérieur. Donc là, j'ai choisi un papier uni qui vient d'un bloc 15-20 Toga, que je vous ai déjà montré aussi bah, dans ces vidéos-là. Donc j'essaye aussi d'économiser quand je peux le papier du cabinet de curiosité. Parce que comme je vous ai dit, j'ai pas envie de devoir en racheter. De toute façon, là, je serais coincée, je ne pourrais pas en racheter. Donc, voilà. Donc, celui-là fait très bien l'affaire. Donc, vous pouvez mettre des papiers unis hein, aussi pour faire les intérieurs de pages. Désolé, hein, la luminosité commençait à tomber, ben, il devait pleuvoir, je crois, comme d'hab, hein. Comme aujourd'hui, là, quand je fais la voix off aujourd'hui, ben, il pleut. Hein.
Alors là, une page 15-20 m'a suffi justement pour faire l'extérieur et une page 15-20 également pour faire l'intérieur des portes. Ça a bien tombé, comme ça j'ai pas eu de chute. Bon, à part un petit peu sur la hauteur, mais bon, sinon voilà, une page m'a suffi là. Économie, économie de papier. En parlant d'économie de papier, j'ai gardé donc toutes mes chutes de papier depuis que j'ai commencé l'album, car ça pourra me servir bah, pour d'autres décos, et puis là aussi, hein, pour finir l'album, je vais peut-être en avoir besoin, qui sait. Donc je garde vraiment toutes mes chutes, mais aussi bien de papier noir que de papier déco. De toute façon, en scrapbooking, vous le savez bien, on ne jette rien. Sauf si vraiment là il n'y a plus du tout possibilité de s'en servir, mais sinon on ne jette rien. On peut faire des albums avec des chutes. Je vous en ferai un, bon, pas tout de suite, parce qu'on va d'abord terminer celui-là. Mais je vous ferai un album avec des chutes, sans devoir, pour ainsi dire, presque pas couper le papier. Ça permet bah, d'utiliser justement bah, tout ce qui nous reste en papier. Les chutes peuvent vous servir également bah, pour faire des cartes. Je vous ferai aussi des cartes avec des chutes de papier. Bon, bien sûr, il faut qu'on essaye quand même dans même les mêmes tons de couleurs. Hein, que ce soit quand même harmonieux. Alors là maintenant bah, j'ai pris une feuille 30-30 hein, pour faire donc l'intérieur de la grande porte. Voilà. Donc là j'ai pas mis un uni exprès et vous verrez que je vais la mettre dans une certaine position. Enfin, comment je vais vous expliquer? Là, quand vous aurez votre page devant vous, que vous allez ouvrir la grande porte, cette porte va venir vers vous. Et donc j'ai fait pour que l'image soit à l'endroit quand j'ouvre cette porte, pour que ce soit plus joli. Mais vous verrez à la suite quand je ferai les collages. Donc toujours mon double face. Hein. Pardon. Bon, les prochains albums que je ferai seront moins grands, je vous rassure. Là, j'ai le projet d'un autre, hein, mais bon, il sera beaucoup moins grand. Donc là, j'oublie pas d'enlever la protection sur mes aimants.
Alors là, vous avez vu, j'ai mis un aimant donc en haut, au milieu, ou en bas, au milieu, ça dépend dans quel sens on prend. Malheureusement, cet aimant va me servir à rien par la suite, parce que j'ai pas pensé à l'épaisseur que j'allais mettre en dessous de cette porte. Et du coup, comme l'épaisseur est trop grosse, bah, l'aimant ne touche pas celui que j'ai mis sur la page de fond principale. Et vous verrez qu'à la fin, j'attache le tout avec des œillets et du ruban. J'ai vraiment pas fait attention donc, à l'épaisseur. Donc là, j'ai mis deux aimants, mais dans le vide. Donc sachez que vous n'êtes pas obligé de mettre cet aimant donc là au milieu, en haut. Puisque de toute façon avec les épaisseurs ça n'ira pas. Vous voyez là, vous voyez déjà un peu ce que ça donne. Donc la grande porte, les deux petites sur le dessus. On vérifie toujours hein, ça, que ce soit bien droit. Bon là j'ai un petit bout de papier qui ne veut pas tenir sur la colle, donc je rappuie. Là, hors caméra, je lui ai remis un petit point de colle et puis ça a été. Vous voyez, quand on ouvre, je ne sais pas si vous avez bien vu, l'image que j'ai mise derrière la grande porte, quand je l'ouvre, l'image est à l'endroit pour moi. Donc, c'est beaucoup plus joli. Je voulais mettre de l'uni, vous mettez de l'uni, hein, ça c'est pas un problème. Donc là pareil, je vais fixer ma languette hein, sur l'arrière de la feuille. Donc vous voyez là, je mets mon aimant. Là il fonctionne là pour l'instant, mais donc c'est pas la peine d'en mettre un parce qu'il y aura trop d'épaisseur et ça fonctionnera pas. Donc cet aimant là, vous l'oubliez. Donc là, on ne peut faire qu'une attache. Ou alors, il faudrait refaire une languette. Voilà, je n'ai pas pensé. J'aurais dû refaire peut-être une languette qui tenait le tout. Mais bon, les œillets et le petit ruban, c'est tout aussi bien. Je vous complique déjà assez la vie avec toutes mes pages. Là. Vous voyez là où j'ai mon pouce en haut. Donc, il y a un aimant là. Et il y en a un donc sur l'arrière. Et donc ces deux aimants ne servent à rien, donc ne les mettez pas. Donc voilà, bon je fixe, donc j'ai mis mon aimant qui ne sert à rien, je fixe donc ma languette derrière, donc on tient bien tout, hein, mais pareil, hein, vous pouvez mettre du washing tape hein, si vous avez peur que ça bouge. Voyez ce que je vous disais, quand j'ouvre, j'ai le papier à l'endroit devant moi. Voilà, donc c'est beaucoup plus joli. Voilà, nos deux petites portes sont faites. Donc après, j'ai pensé, mais là, bon, je ne l'ai pas mis maintenant, je vais mettre au moins la déco. Je pense que je vais mettre. Peut-être deux petits boutons avec un petit bout de ruban pour montrer où on soulève. Voilà. Et vous verrez quand je ferai la déco, du coup, j'y ai pensé, mais après, trop tard. Alors, maintenant, je vais mettre des portes à
sur l'intérieur. Bon, donc je gomme d'abord le premier trait à 2 cm hein, que j'avais fait pour pas me mélanger les pinceaux. Voilà. Et je refais un trait. Alors, donc, là, il est fait à 1 cm. Alors, en tout, si je me trompe, du bord, si je me trompe pas, il est fait à 4 cm. Voilà. Donc, en haut et sur les côtés. Et pareil, vous avez vu, je gomme bien mes anciens traits pour ne pas me tromper. Et donc là, je vais refaire des portes. Voilà, donc je mesure. Donc je vous rappelle, hein, vous avez toutes les mesures au début de la vidéo. Donc c'est pour ça que je ne les ai pas rappelées là. Parce que là, il y avait quand même pas mal de découpes et c'était compliqué pour moi pour vous redonner toutes les dimensions pendant la vidéo. Et comme j'ai pas mal de soucis pour mes montages vidéo en ce moment, donc oulala, là il fait noir, voilà, j'ai allumé et c'est beaucoup mieux. Et pourtant il est pas tard hein, quand j'ai fait la vidéo. On était en début d'après-midi. Hein. Donc toujours pareil, hein, je fais toujours mes plis hein, qui serviront pour les languettes pour fixer sur l'envers de la feuille. Donc là, je les ai faites à 1,5 cm, ça suffisait largement. Même à 1,5 cm, je crois. Voilà, je vais bien reprendre mes mesures avant de faire les fentes comme d'habitude. Je cherche comment ma deuxième porte va se mettre. Vous avez vu? Donc pareil, hein, au niveau des aimants, pensez à avoir un bon stock d'aimants. Alors là, j'essaye en voulant mettre une petite porte, mais après je vois que non, ça ne va pas aller. Donc je fais les deux portes à même taille, malgré qu'elles vont se chevaucher. Alors comme vous avez vu au début de la vidéo, avec les plans, je les ai fait à la main cette fois-ci, parce que vous avez vu, il y en avait quand même un peu plus que d'habitude. Je trouvais que ça allait beaucoup plus vite de les faire à la main que de les faire sur l'ordinateur. Voilà, donc j'espère que vous aurez bien réussi à lire mon écriture, qu'il n'y a pas de soucis d'incompréhension. Donc, mais vous n'hésitez pas, hein, s'il y a quelque chose que vous avez mal compris, vous me posez la question en commentaire, et j'y répondrai en vous donnant les bonnes explications. J'ai bien marqué mes plis, voilà.
j'ai fait mes fentes comme d'habitude. Voilà. Alors ce système de fente, je ne sais plus chez qui je l'ai vu. Si, je l'avais vu chez Fébricoleuse, qui elle l'avait vu sur une autre vidéo, mais je ne saurais plus vous dire laquelle. Je crois que c'était une vidéo anglaise ou américaine, ou je ne sais plus exactement. Et depuis que j'ai vu ça, j'adore ce système parce que ben, c'est beaucoup plus propre. On ne voit pas les charnières, si vous voulez. Voilà. Ouais, c'était Fébricoleuse qui avait montré ça sur une de ses vidéos. Et elle l'avait eu à une autre youtubeuse. Alors là, vous ferez bien attention parce que du coup, vous allez chevaucher le premier pli qu'on a collé, hein, celui du bas, vous voyez, quand on va faire les fentes, quand on fait les fentes, vous voyez, là on l'a vu, bon, malheureusement en rapide. Faites bien attention parce que vous allez être obligé de passer votre cutter sur cette fente. Et là, on peut pas faire autrement. C'est pour ça que bon, j'aurais dû faire peut-être un peu moins mon pli, faire 1,5 cm au lieu de 2. Et voilà, Fifi, elle n'était pas encore venue. Et vas-y, je vais voir. Je m'installe. Moi, tu ne me gênes pas, je peux rester là. Allez, on va la mettre sur le bureau à côté pour qu'elle voit tout ce qui se passe. Alors l'idéal, moi c'est ce que je fais, quand je fais des pages comme ça, bon, que j'arrête dans la journée, hein, que je reprends le lendemain par exemple, je pose toujours des dictionnaires. Donc j'ai deux gros anciens dictionnaires qui me servent de presse-papier et je les pose donc sur ma feuille, comme ça, toute la nuit ça a le temps de bien s'aplatir, de bien coller partout et... voilà, si vous avez deux gros livres ou deux gros dictionnaires, vous les posez la nuit dessus. Et comme ça, le lendemain, quand vous reprenez votre travail, bah, tout est bien à plat. Donc là, je vais mettre des aimants parce que ces deux portes-là, il faut qu'elles tiennent ensemble. Hein. Donc là, il n'y a pas d'erreur. Je mets bien des aimants. Et voilà Fifi qui repasse, vas-y, carrément devant la caméra. Ben, pourquoi je vais me gêner? Donc on met au milieu, vous comptez à peu près un bon 1,5 cm pour mettre votre aimant. Puisque vous chevauchez vos deux pages hein, pour voir où ça va aller. Je mets du blanc sur mon aimant, je referme la deuxième page et comme ça la marque est faite. Vous voyez? Et j'ai pas besoin de recalculer où je dois mettre mon aimant. Vous voyez le petit point blanc là-bas. Je sais plus qu'à y mettre mon aimant. Voilà. Donc alors là, ce que j'avais fait, j'avais posé l'aimant sur l'autre porte et j'étais recherché donc avec le double face que j'ai mis sur la deuxième porte. J'espère que mes explications sont claires hein, parce que des fois je me mélange les pinceaux, mais bon. Ça a l'air d'aller. Vous voyez, déjà, il y a de l'épaisseur. Et voilà, voilà l'erreur que j'ai faite de mettre des aimants au milieu. Et je n'aurais pas dû. Donc là, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, je vais continuer à faire des petites portes et faire une poche pour mettre un tag.
Donc là, bon, je recoupe un petit peu hein, pour que les dimensions soient bien pareilles. Je suis peut-être un peu maniaque. Alors donc là, on va ces deux portes, on ne va pas les mettre l'une devant l'autre, vous allez voir. Et elles sont mises en mode paysage. Donc, sur la grande largeur. Voilà. Enfin, on va fixer... comment ? Les plis sont faits sur la petite largeur, pardon. Et donc, ils seront mis en mode paysage quand ils seront posés. Donc là, pareil. Là, j'ai fait qu'un centimètre hein, de plis. Et voilà. Là, vous manque un petit bout. Voilà. Je vous dis, il manque 10 minutes de vidéo. J'ai pas vu que ma carte était pleine. Et puis, j'étais en train de continuer à travailler sur l'album. J'en suis désolée. Mais bon, je pense que vous allez comprendre la suite. J'avais commencé à redécorer la page du bas. Alors ça, c'est la petite pochette que j'ai faite pour glisser un tag. Voilà. Et comme vous voyez, les deux petites portes que j'ai faites sont mises donc en quinconce. Et les plis, du coup, sont fixés derrière la pochette. Vous voyez ? Ils ne sont pas l'un devant l'autre. Donc, si vous avez des questions à ce passage-là, n'hésitez pas. Hein, parce que je suis vraiment désolée, mais... Donc là, j'ai enlevé à peu près... Enfin, j'ai enlevé. Si vous calculez entre les deux grandes portes, là, il y a 1,5 cm entre la pochette et les portes. Voilà. Alors, vous voyez un papier blanc au-dessus. Cherchez pas, hein, ça c'est moi. J'avais mis du scotch aussi en haut. Et bah, du coup, je l'ai enlevé. Et puis, bah, du coup, j'arrivais plus à enlever la colle. Donc, j'ai recollé un petit bout de papier. Et comme c'est sur l'intérieur, ça ne se verra pas. Et j'ai fait une encoche, donc sur le milieu... en haut avec une perfo pour plus de facilité pour retirer le tag par la suite. Donc voilà, on colle bien au milieu entre les deux portes. Alors les deux petites portes que j'ai mis en quinconce, vous voyez ces deux là, j'ai arrondi les angles, mais vous n'êtes pas obligé hein. Moi comme vous savez, j'aime bien que les angles soient arrondis. Vous voyez là, donc il y a la pochette pour mettre le tag. Ça ne vous fait quatre, deux petites portes, deux portes moyennes. Là, j'ai fait un passant. Alors, dans le passant, j'ai mis un aimant au milieu, en dessous. Et dans le tag, à l'arrière, j'ai mis également un aimant. Je vais vous le remontrer après. Comme ça, le tag ne glisse pas. Voilà, il ne pourra pas tomber. Donc là... je vais commencer à décorer mes deux portes, mes deux moyennes portes, hein, toujours avec le papier déco. Donc là, là par contre, j'ai dû prendre deux feuilles. Donc j'ai pris deux fois le même dessin, bien sûr. Mais j'ai coupé pour que j'ai les. Comment je vais vous expliquer ? Pour qu'on voit les deux angles du dessin. Donc il y a un moment, il y a une des feuilles, je l'ai coupée à droite, et l'autre, je l'ai coupée à gauche. Voilà. Comme ça, bah, on voit le dessin en entier. Vous voyez là, je ne coupe pas du même côté. Je coupe à l'opposé et comme ça, j'aurai le dessin complet. Mais ça, c'est à vous de voir hein, avec les papiers déco que vous mettez. Hein. Moi, c'est parce que bon, là, je voulais avoir le dessin en entier, mais après, suivant ce que vous allez mettre. J'espère que celles qui font l'album viendront me le montrer. Donc, celles qui ont une chaîne, bon, bah, j'espère que vous ferez une vidéo sur l'album. Hein. Au passage, dites que c'est suivant un tuto de chez moi. Voilà, un petit coup de pub, c'est toujours bon à prendre. Hein. J'en ferai pour vous également. Celles qui n'ont pas de chaîne YouTube, vous pouvez soit venir me le mettre alors dans le groupe de Scrapbooking hein, que je gère sur Facebook, soit ou alors vous venez me le mettre en message privé ou vous pouvez également me le mettre par email. De toute façon, vous avez toutes les adresses dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Donc là, bien sûr, j'ai arrondi hein, mes angles puisque les portes sont arrondies.
Là, on va bientôt arriver à la fin, hein, vous voyez. Donc, j'espère que cette page également vous aura plu. Vous n'aurez pas trouvé trop de difficultés. Et puis, je m'excuse encore pour cette coupure. Mais comme je vous ai dit, normalement, il n'y a pas de grosses difficultés. Si vraiment il y a un problème, dites-moi et je refilmerai. Je ferai une petite vidéo de 10 minutes pour remontrer juste cette partie-là. Pour fixer les deux petites portes sur la pochette. Voilà, vous me le dites et puis ça ne me coûtera pas grand-chose de faire une petite vidéo supplémentaire pour expliquer. Hop, allez, on n'oublie pas d'enlever sans la protection. Alors là, par contre, à l'intérieur, j'ai fait le choix de ne pas mettre de papier. Je vais cacher l'aimant avec du washi tape. Donc, c'est washi tape également de cabinet curiosité. Hein. Et vous voyez là la porte en bas où j'ai fait la languette. J'ai mis du washi tape aussi au milieu. J'ai fait une dentelle de chaque côté avec mes perfos de bordure de Lidl. Et j'ai mis un washi tape au milieu. Voilà. Et j'ai également mis un washi tape sur cette page là en haut et en bas juste pour une meilleure tenue, puis ça en fin de compte ça donne une petite déco supplémentaire qui est très bien. Vous voyez, comme ça on ne voit plus l'aimant et ça me met quand même une petite déco. Donc là on peut mettre des photos, hein, bien sûr. Alors j'ai pas compté combien de photos on pouvait mettre sur cette partie là alors attendez, il y a les deux petites portes, on fait une, deux photos, 3. Donc avec les deux petites portes on peut déjà mettre 4 photos. Les portes là, 1, 2, 4, ça fait 5, 6. Là on peut faire 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On peut mettre une quinzaine de photos, donc en comptant les tags, entre 10 et 15, suivant votre choix. Donc là pareil, je ne remets pas de papier déco, ça aurait été trop chargé. Donc je vais juste faire une petite bande de washi tape pour mettre un petit, pour égayer un petit peu. Malgré que bon, les couleurs sont noires et grises, hein. Bon, ça égaye pas beaucoup. Hein, mais en même temps, bon, comme c'est noir sur noir, on verra mieux la délimitation des portes. Donc là par contre j'ai pas mis d'aimant. Je disais ça faisait beaucoup d'aimants pour cette page. Donc j'en ai pas mis. Donc je sais pas, peut-être par la suite je remettrai une attache. Je vais voir, je sais pas. Mais j'ai envie de laisser comme ça quand même. De toute façon là il y a vraiment assez de fixation pour tout tenir. Là, je vous montre, alors voilà, l'aimant est juste là, donc j'ai mis un washi tape pour le cacher, et donc derrière la languette il y a un aimant aussi sur le dessous, et ce qui fait que le tag va tenir, il ne tombera pas, il va pas bouger. Donc là par contre je vérifie si c'est la même taille de tag, mais non c'est pas la même. Il faut que je fasse un tag un petit peu plus petit. Ça c'est pareil, les tags, hein, vous mesurez par rapport à votre pochette. Là, il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc, je vais refaire un tag dans du papier noir. Donc, je vais me baser un peu sur le tag que j'avais fait déjà avant. Et je fais à peu près 1 cm et demi de moins de chaque côté.
Alors ce tag-là, comme il est dans une pochette, je vais faire un trou à la perforatrice au milieu en haut et y mettre une petite ficelle. Bah, vous y mettez un ruban, vous y mettez un bout de washi tape, vous mettez bon. C'est juste pour mieux attraper donc le tag quand on le sort de sa pochette. Donc là, bien sûr, je vais faire les angles hein, arrondis. Perfo, je fais donc un petit trou, voyez, en haut, au milieu. Voilà, là c'est la ficelle que j'ai eu aussi avec le kit de ruban de cabinet de curiosité. Donc, je mets une petite ficelle comme ça. Mais bon. Je sais pas si je vais laisser la ficelle ou si après je vais mettre un autre ruban. Je vais voir. Voilà, là la déco intérieure normalement. Non, je remets un petit bout de washi tape en bas. Voilà. Pour un peu équilibrer. Donc là, vous voyez, bah, je cherche si je mets une fermeture, si j'en mets pas. Puis en fin de compte, bon, j'en ai pas mis pour l'instant. Je verrai par la suite. Donc, si vous voulez en mettre une, mettez-la. Hein. Vous pouvez remettre des aimants et dans ce cas-là, vous remettez un papier déco pour cacher l'aimant ou du washi tape. Voilà, moi j'ai pour l'instant, j'ai pas mis. Donc voilà, là, la page est finie. Il nous reste plus qu'après à mettre sur la page noire qui va tout tenir le tout. Voilà. Donc je vous montre, voilà, une première porte qui s'ouvre par le haut, une deuxième porte qui s'ouvre par le bas, là, la grande porte, hein, voilà, avec la languette et le tag. Voilà, donc le tag tient tout seul hein, puisqu'il y a l'aimant. Vous voyez, ça ne bouge pas. Là, les deux autres portes, voilà. Donc là, il n'y a pas de papier déco à l'intérieur, hein, comme je vous l'ai dit. Mais bon, mais c'est vrai que ça s'ouvre, là, les deux petites portes. Donc, je réfléchis. Je vais voir ce que je vais faire. Je vais peut-être mettre quand même des aimants. Mais dans ce cas-là, je les mettrai peut-être à l'intérieur pour remettre un washi tape à l'intérieur pour pas que ça fasse drôle. Je ne sais pas. Je vais voir. Donc voilà, là, c'est terminé. Maintenant, on va faire comme on fait d'habitude. On va blinder de double face. Ah, voilà, pardon. Donc, vous voyez, j'ai trouvé la solution. J'ai mis des œillets, voilà, et j'ai mis un ruban parce que bah, ça tenait pas assez avec les aimants, ça tenait même pas du tout. Donc voilà, donc là sur le papier de fond, j'ai mis deux œillets, voilà, et un œillet sur la grande porte du devant. Et je referme avec un petit nœud, voilà, c'est tout aussi bien, ça fait joli, y a aucun souci. Donc là maintenant, je vais blinder l'arrière donc de cette page. Au maximum pour que ça tienne bien hein. Donc je mets du scotch bien au bord sur tous les côtés dans tous les sens et ça maintenant vous avez l'habitude hein. Alors vous avez vu le papier s'est soulevé un petit peu donc vous allez voir après je vais remettre un bout de double face
là où il y a les plis noirs à l'intérieur, pour que ça continue à bien être fixé, que ça ne bouge pas. Et là, bon, là, j'ai pas peur d'en mettre, hein, Donc là, j'enlève d'abord ceux du milieu. Et je remets du double face donc dans l'autre sens, toujours bien au bord surtout, pour que les bords soient bien collés. Voilà, au milieu, voilà, j'en mets partout. Hein. Donc là, il y a l'aimant, hein, mais c'est après, là j'aurais pu l'enlever l'aimant. Là, j'étais bête, j'aurais pu enlever l'aimant, mais bon, tant pis, trop tard. Et j'en mets aussi sur les bandes noires, hein, pour pas que ça bouge. Et donc, j'en remets là, sur celui-là, comme ça ne bougera pas. Donc, on prend sa page de support, hein, sa page noire, donc la page A4 en 210 grammes, et vous collez votre page d'album donc dessus, comme d'habitude. Comme ça, il n'y a rien de changé. On fait pour que ce soit bien droit, hein, bien équitable de chaque côté, hein, ça fait à peu près en moyenne ça fait à peu près 5 mm de chaque côté. Ça n'y a rien de changé. On appuie bien partout pour que ça adhère bien, qu'il n'y ait pas de soucis de décollage. Donc voilà, une page de plus de terminée, hein, vous voyez. J'espère que cette page vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions, hein, s'il y a à des moments où vous n'avez pas tout compris, hein, bah surtout là où il manque les 10 minutes. N'hésitez pas à me poser des questions, je vous expliquerai, hein, vous savez très bien qu'il n'y a aucun problème. Donc voilà. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette page. Alors celle-ci, je ne l'ai pas préparée du tout. D'habitude, je me fais un plan sur un bout de papier de ce que je veux faire. Celle-là, je n'ai strictement rien préparé sur papier à l'avance. J'ai tout fait à chaud, comme ça, avec les idées qui me venaient comme ça. Je n'ai vraiment rien prévu d'avance. Donc, ça a été vraiment fait à l'arrache. Voilà. Mais bon, je suis contente quand même du résultat. Il est vraiment pas mal. Avec l'onglet petit tag et tout, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut mettre, donc suivant comment vous voulez mettre vos photos, entre 10 et 15 photos donc sur cette page. Donc vous voyez, c'est quand même un album où on va pouvoir mettre quand même un très grand nombre de photos. Donc en moyenne, c'est une dizaine de photos par page, je dis en moyenne, parce qu'il y en a où on peut en mettre 15, d'autres il y en a une, je crois, où on peut en mettre 17, je ne sais plus. Donc ça va quand même être un album que vous pourrez mettre quand même plus de 80 photos. Donc c'est vraiment... c'est un bel album, voilà. Allez, je vous dis au revoir. Je vous laisse regarder maintenant quand même. J'ai mis quelques photos de l'album, hein, des pages, de ce que j'ai fait. Je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse tous très très fort. Fifi vous fait des gros bisous, mon Tango vous fait des gros bisous, mon Géry aussi, tout le monde. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.